Bonjour à toi cher spectateurs, minuscule les mandibules du bout du monde de Thomas Sabo et Hélène Giraud. Honnêtement, moi j'étais tombé amoureux du premier film. Je ne l'ai pas vu venir et lorsqu'il est sorti en 2013, mais j'ai totalement adoré. J'ai trouvé que c'était une œuvre qui sortait tellement du lot dans les films d'animation qu'il y avait dans les salles de cinéma. J'ai vraiment adoré ce film. Je trouve que c'est l'une des plus belles perles que le cinéma d'animation francophone nous a offert depuis très 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 longtemps. Et à partir de ce moment-là, à la fois j'attendais avec appréhension l'arrivée de cette suite qui pouvait voilà, présager de bonnes comme de mauvaises choses, et en même temps je me disais, c'est la même équipe, ça pourra pas décevoir. Le résumé pour faire simple, alors que l'hiver arrive, nos petits insectes préférés finissent de préparer leurs provisions pour hiberner tranquillement. Lors d'une tentative de prise d'une boîte à sucre par les fourmis noires, notre adoré du premier film va se voir attaqué et va appeler au secours son acolyte coccinelle. Et minuscule 2 ne m'a pas déçu. Je trouve que c'est une nouvelle fois une belle petite perle. Le seul reproche, et on en parlera plus tard, c'est qu'il y a moins de surprises. Parce qu'on voit un petit peu la machine venir, on sait déjà comment ça s'est mis en place dans le premier, il y a la surprise en moins dans ce long métrage. Pour autant... Je trouve honnêtement que Minuscule 2 est tout de même une œuvre très très bien conçue, qui techniquement est splendide, est une vraie démonstration de force de la part de Sabo et Giro, qui démontrent une nouvelle fois qu'ils savent faire de l'animation, mais pas que, qu'ils savent également mettre en scène un film avec beaucoup de diversité. Parce que. On peut le catégoriser dans le cinéma d'action, le cinéma d'animation et le cinéma familial. Mais il y a un peu d'action, il y a un peu d'aventure, il y a un peu d'épique, il y a un peu de dantesque, il y a un peu de grandiose dans ce film. Il y a plein de choses et c'est toujours intéressant de voir des cinéastes jouer avec ça. Parce que du coup, moi comme je disais sur le premier film, j'ai vraiment la sensation que ça me rappelle microcosme. Mais microcosme qu'aurait été fait par des mecs mais complètement fumés qui se seraient dit, hé hey, vous avez aimé les voir faire des choses normales, ces petits insectes ou des choses comme ça Bah ben regardez, là ils vont faire une grande bataille contre des fourmis rouges, et dans celui-là, ils vont carrément essayer d'aller en Guadeloupe pour sauver un petit coccinelle. <laughs> Faut vraiment être allumé pour, pour faire un truc comme ça, mais je trouve que ça marche, ça marche, et c'est pas que pour les gamins, c'est un délire qui est pour tous les âges, qui fonctionne vraiment bien, parce que dans le fait de ne pas parler, et dans le fait qu'il n'y ait pas de parole dans le film, ça transmet une espèce d'universalité de récit qui fait que chacun peut se l'approprier et y voir quelque chose qui lui est personnel. Et pour moi, ça, c'est une vraie démonstration de force parce que dans le cinéma d'animation français, il y a tellement peu de choses que là, mais ça détonne, mais ça fait du bien, quoi. Au cœur du cinéma d'animation français, comme je le disais déjà à l'époque du premier film, il y en a peu qui prennent des risques et qui proposent aux spectateurs des films avec un vrai parti pris. Et pour le coup, il y a maintenant 6 ans et la perspective de ce nouveau film, dans la même veine, bah, on avait envie de voir ce que ça pouvait donner. Au bout du compte, c'est un vrai plaisir, comme l'était déjà le premier long métrage. La surprise en moins, et en cela, on peut dire que Sabot et Giro ont tout de même réussi un joli tour de force, sans réellement réussir à transcender la barrière souvent compliquée du second volet, et le tout est un divertissement particulièrement soigné et entraînant, simplement moins surprenant qu'espéré. En termes d'écriture, donc Thomas Sabot et Len Giro, on sent qu'ils n'ont pas voulu, entre guillemets, faire un scénario trop compliqué. La vraie petite trouvaille du scénario, c'est de faire en sorte qu'il y ait un vrai mélange avec le monde des humains ici. Là où le monde des humains dans le premier était plus suggéré qu'autre chose. Là, le fait qu'il y ait de la présence humaine dans le long métrage amène un certain décalage avec les situations. Et je trouve amène une nouvelle forme de comédie que le scénario arrive très très bien à mettre en relief. Parce que généralement... On va dire que le comique avec des insectes, c'est un peu compliqué à mettre en place. Si vous regardez euh, Mille et une pâte ou mettre Fourmise, la plupart du temps, lorsqu'ils mettent des humains en place, c'est très laborieux, c'est souvent un peu lourd et c'est pas très subtil. Là, c'est vraiment élégant, je trouve. Il y a vraiment un jeu de comédie qui est très très bien amené et qui apporte un, un petit aspect encore plus loufoque et qui fait que nous, on se marre vraiment là-dessus. Après. Je trouve que ce qui manque dans ce scénario, et ce qui aurait pu faire un petit peu plus de profondeur, c'est que il n'y a pas cette euh, on va dire cette. Euh, cette grandeur d'esprit qui faisait le scénario du premier film. Là où dans le premier film il y avait ce côté vraiment très intime dans l'histoire et en même temps cette puissance qui se dégageait du fait qu'on suivait cette petite coccinelle qui essayait vraiment de, de, de gagner en force, de regagner en force, et du coup se retrouver au milieu d'une bataille qu'elle n'a pas souhaitée. Là, ça semble plus anecdotique et du coup, c'est... Moins entraînant, je trouve. L'idée est là, ça marche toujours assez bien, mais ça a moins d'impact. Et du coup, ils arrivent à mettre des petits artifices qui font oublier un peu ça, mais je trouve que c'est pas forcément aussi évident que sur le premier film où là, c'était vraiment la grosse surprise et où on trouvait qu'en plus, le scénario avait un vrai impact sur nous. Là, il y a la surprise en moins quand même. Là-dessus, le tout fonctionne vraiment à merveille, parce que cette histoire, aussi simple soit-elle, est avant tout universelle, et donne lieu à un parcours émotionnel et dramatique qui embarque totalement le spectateur et qui le prend magnifiquement aux tripes, qu'il soit petit ou grand, fan d'insectes ou pas du tout. On sent que Sabo et Giro ont vraiment voulu aller à l'essentiel. Et du coup, même si on pourra facilement se dire que l'ensemble a du mal à totalement embarquer le spectateur dans de la pure nouveauté, le tout fonctionne réellement bien de tout son long et se laisse simplement mais justement embarquer dans cette petite aventure, loin d'être si minuscule que cela. En termes de mise en scène, ça va être assez rapide. C'est quasiment identique qu'au premier. La seule grosse évolution que je trouve est présente dans la mise en scène de Thomas Sabo et d'Hélène Giraud, c'est le fait que quand il y a des scènes d'action, ou quand il y a des scènes d'aventure, c'est un peu mieux mis en scène que dans le premier film. Parce que dans le premier film, on sentait que voilà c'était, on va dire, le, le, le galop d'essai et qu'en gros, il fallait montrer qu'on était capable de diriger ce genre de projet. Et du coup, il y avait une mise en scène qui était plus intime, qui avait tendance, dans l'épique, à essayer de créer quelque chose de, de plus décalé, entre guillemets. C'est-à-dire que la plupart du temps, lorsqu'il y avait des séquences de bataille, par exemple, ça sonnait plus comme du gag. C'est-à-dire vraiment, quand tu voyais les trucs s'écraser sur la grande fourmilière, c'était vraiment, euh, tu rigolais. Tu rigolais parce que tu trouvais que c'était un petit peu décalé de voir une grande bataille mise en scène de manière épique, alors qu'en fait c'est juste deux fourmis qui, qui, qui se bastonnent l'une avec l'autre, ce qui est très rigolo. Et là du coup on sent qu'il y a un côté beaucoup plus sérieux dans la mise en scène, et du coup moi je trouve ça apporte encore une fois un certain décalage, notamment des, des, des séquences de course-poursuite avec une montre religieuse qui, qui, qui sont à mourir de rire, parce que c'est vraiment mise en scène comme un pur film d'action. Il y avait vraiment des moments où je me croyais dans un espèce de, de grand long métrage hyper épique où ça... J'avais l'impression de voir une course de pod racer avec des insectes, quoi, tellement c'était bien mis en scène. Mais il y a plein de petits trucs comme ça qui, je trouve, sont très intéressants, qui amènent vraiment une ingéniosité d'esprit qui, qui, qui est constamment présent à l'écran. Et du coup, ça fonctionne vraiment bien. Il y a un vrai impact sur le spectateur. Et encore une fois, il y a cette maîtrise de l'aspect prise de vue réelle et prise de vue 3D qui rend vraiment bien parce que les deux se complètent à merveille. Une nouvelle fois, la performance du mélange entre animation 3D et prise de vue réelle est tout simplement merveilleuse. Et cela envoie réellement dans les mirettes du spectateur des petites étoiles qui l'embarquent totalement dans ce périple minuscule, mais tout simplement magnifique en termes d'imaginaire. Bien sûr, la surprise n'est plus là. Elle est partie au profit d'une immersion bien plus forte que dans le premier. Et même si on pourra facilement reconnaître que cela est tout de même un handicap pour le long métrage, cela n'en fait pas un défaut pour autant, loin de là. Et heureusement, car le plaisir est toujours immense et Sabo et Giro démontrent une nouvelle fois leur maîtrise du genre. En termes de casting, je ne vois même pas pourquoi je vous parle du, vous parle du casting. Il euh, y a deux acteurs dont je veux parler qui sont plus des caméos d'ailleurs que vraiment des, des, des acteurs. Il y a Tréli Fremo et Bruno Salomon qui sont très très bien parce qu'ils ont deux petits rôles très très gaguesques, mais ils ont vraiment des interprétations qui sont très drôles. Mais en fait, je n'ai rien de plus à dire maintenant que j'y réfléchis en termes de casting. Bah, hormis ces caméos, je ne peux pas vraiment vous dire grand chose de plus. Ah si, remarquez. Je stresse simplement le fait que le joueur de Kazoo qui s'occupe de faire les trois quarts des bruitages. Est extrêmement doué. Au bout du compte, Minuscule 2 est un, est un petit bijou de cinéma d'animation. C'est un film qui détonne dans le paysage du cinéma d'animation international et en plus dans le paysage du cinéma d'animation français. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de films d'animation, ou de longs métrages en tout cas d'animation, qui sortent dans nos salles en France, qui sont français. Il y en a quelques-uns, mais c'est de plus en plus rare, je trouve. Il y a beaucoup de films américains, beaucoup de films japonais. Il y a quelques petites perles qui sortent un petit peu des quatre coins du monde. Mais c'est devenu tellement rare des vrais films d'animation à la française que pour le coup, rien que pour ça, minuscule, les mandibules du bout du monde de Thierry Sabot et de Hélène Giraud, j'ai envie de fortement vous le conseiller. C'est moins surprenant que le premier film. Mais ça détonne toujours autant et ça fonctionne et c'est pour tous les âges. Mais vraiment pour tous les âges. Tout le monde va adorer ce film et ce film fera un carton. En tout cas, je l'espère parce qu'il le mérite très largement. A plus